Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve sur la marina du port. Alors j'ai pas mis vos bateaux encore, mais je vous rappelle que vous pouvez participer en envoyant vos bateaux par map, par mail, enfin la map de vos bateaux par mail, avec le mail qu'il y a dans la description. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo et vous pourrez, et après je pourrai les placer ici sur la marina en question. Voilà, avec tous les bateaux, vous avez toutes les dimensions dans la description. Et je vous rappelle, du coup, la dernière fois, on avait construit ce building sur Minecraft. Donc, c'était le dernier tutoriel. Si vous avez envie d'aller jeter un œil, n'hésitez pas. Et je te montre vite fait là sur le coin. Oh, tiens, il y a un bâtiment à la place de la mairie. Je sais pas, voilà, peut-être ça sera pour une prochaine fois. On verra bien, je te laisse découvrir. J'ai beaucoup de projets en ce moment, voilà, il y a plein de choses très 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 intéressantes qui vont arriver lors des prochaines semaines, prochains jours. Voilà, je te laisse regarder peut-être plus attentivement ton fil d'abonnement pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette petite maison. Voilà, j'avais envie de faire un tutoriel, un petit tuto par rapport à espèce d'immondes trucs qui vont arriver par la suite. Tu vas voir, ça va être... Enfin, vraiment, je te prépare un truc de fou pour... je sais pas quand, mais enfin au moins cette semaine, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'est un gros truc de dingue. Enfin bref, voilà, je te dis pas trop. Ici, là, on va faire une petite maison de ville sympa. Comme je te disais, il y avait un plot qui est ici, dans ma ville, qui était pas pris. Et donc, j'ai fait une petite maison qui est intéressante, qui va un peu dans l'ambiance. Et qui permet, voilà, de combler les vides. Et qui, honnêtement, est très intéressante. Donc, on va la faire ensemble, voilà. Donc avec un garage couvert, voyez-vous, avec toute une terrasse qui fait tout le long comme ça sur le premier étage, et encore une autre terrasse sur le dessus, tu vois, avec un escalier qui est, hop là, qui est camouflé à l'intérieur, tu vois, de la structure même de la maison, hop, voilà. Donc c'est sympa, on aime, et je vais te montrer tout de suite comment on fait ça. Tadam, j'ai changé de monde, hein, t'as vu, c'est magique. Alors j'avais juste envie, avant de commencer ce petit tutoriel de maison, donc ça va aller assez vite, hein, on va pas se mentir, mais j'avais juste envie de vous poser une petite question. Alors dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous pensez de la maison que je vais vous montrer ici. C'est une maison que j'avais fait il y a quelques temps, mais au final je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Voilà, c'est un peu un nouveau style, un nouveau test, donc je sais pas trop quoi foutre avec. Honnêtement, je pensais essayer de faire une petite vidéo avec un sujet un peu... voilà, mais en fait, je sais pas, voilà. Donc dites-moi si ce style vous intéresse ou pas du tout. Bref, voilà, on va s'en retourner du coup à notre maison ici, et on va commencer par prendre les matériaux qu'il nous faut déjà. Donc on va utiliser du quartz essentiellement, vous voyez ici, du bois de sapin. Ok, on va utiliser de la pierre aussi évidemment, et pour le sol on prendra du grès, ok. Donc on va utiliser ces machins là et on va mettre directement les patterns au niveau du sol. Qu'est-ce que va être l'empreinte de la maison au niveau du sol, et donc on va avoir ça. L'idée c'est qu'on va prendre du quartz et on va faire la première ligne là-bas qui va faire 19 blocs de longueur en quartz. Ok, à partir de ce bloc là on compte 6 blocs, on arrive ici, entre ce bloc là et ce bloc là sur la longueur, on en a 14, d'accord? Donc entre ici et là-bas, on a 14 blocs de quartz. On laisse 3 blocs ici de quartz dépasser et on met une ligne de pierre de 4 blocs ici, ok? Puis après on va dans ce sens-là pour en laisser 9. Donc de ce bloc-là jusqu'à ce bloc-là, il y en a 9. De là-bas jusque là-bas, il y en a 17. Et de là-bas jusque là-bas, il y en a 18. Je répète vite fait du coup. Ici on met 19 blocs de quartz, ici 14, ici 4, ici 9... Ici là 17 et au fond 18. Voilà, donc normalement avec ça on est plutôt bon. Maintenant l'idée c'est qu'on va mettre la structure de la maison directement, c'est à dire qu'on va utiliser les blocs de quartz et on va venir sur notre ligne à ce niveau là. On va en compter 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur, d'accord. Puis on va vers ce sens là et on va en mettre 20 sur la longueur, ok. Donc là j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on a un bloc de décalage par rapport au mur en dessous. Après on remonte de 8 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc entre celui-là et celui-là il y a 8 blocs. Puis après on revient par là de 7 blocs. Donc avec celui-là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok.
Et donc voilà, cette forme un petit peu, vous voyez, donc ça, on va prolonger cette forme-là sur toute la longueur de notre barre en quartz à ce niveau-là. Voilà. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir au premier étage et on va venir monter tout simplement les murs à ce niveau-là, au niveau du plafond. Donc c'est-à-dire que les blocs en pierre ici, on va les monter, hop, jusque les faire toucher le plafond, voilà, sur toute la longueur. Et pareil, au niveau du quartz ici, hein, on les fait monter tout jusqu'au plafond. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir sur le premier étage et on va poser les planches de sapin pour pouvoir mettre les murs du deuxième étage à ce niveau-là, ok ? Donc, on va venir vers l'arrière de la maison, parce que ça va être plus facile de commencer par l'arrière. Et on va venir coller contre ce mur ici. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs. À partir du quatrième bloc, on met un bloc ici. On en met toute une ligne jusqu'à laisser 3 blocs de marge de ce côté ici. Ok, toute une ligne ici aussi. Hop, jusqu'à laisser 3 blocs de marge en quartz à ce niveau-là. Puis, dans ce sens-là, et on laisse, encore une fois, 3 blocs de marge entre le mur. Une fois qu'on a ça, on va laisser donc 2 blocs de marge entre cette partie là et 1, 2, hop, on met un mur ici, ok, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de longueur le mur, ok. Alors par contre je sais pas à quelle hauteur on va les mettre, 1, 2, 3, 4, 5, ok, donc tous ces blocs qu'on a mis au sol, on les monte jusqu'à 5 blocs de hauteur. Paf, voilà, magnifique. Maintenant du coup on va prolonger ce mur là vers l'arrière du bâtiment à ce niveau là pour avoir la partie ici, hein, vous voyez. L'idée c'est tout simplement d'avoir un prolongement, donc on va garder les mêmes proportions. On va venir prendre ce bloc là, vous voyez, on va compter 1, 2, 3 blocs. À partir du quatrième on met une ligne ici, hop, et on laisse 3 blocs de marge à ce niveau là aussi. On compte 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, ok. Donc pour avoir un encadré comme ça, et normalement on est pile poil en face, vous voyez, de l'autre, hein, en face, hein, normal, vu que c'est la même chose. Donc là on est bon. Et puis on va aller jusqu'à 6 blocs décollés du mur. Par exemple, on va prendre 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et à partir de là, on va refaire, hop, une plateforme. Hop, voilà, donc ici... Hop, on fait ça vite fait, et l'idée c'est qu'on va tout simplement boucher les murs ici aussi, hein, vous voyez, bah, comme l'autre partie là-bas, donc avec des blocs ici comme ça, hop, hop, etc, etc, on bouche tout ça. Ok, donc j'en ai profité aussi pour laisser un trou directement dans la structure à ce niveau-là, pour laisser une fenêtre, hein. L'idée c'est de laisser juste 3 blocs, vous voyez, de chaque côté de notre muret ici. Ok, alors l'idée maintenant c'est qu'on va faire les finitions véritablement, puisque la structure est finie, hein, comme tu peux le voir, mais c'est moins joli que la version finie, parce que il y a toutes les finitions, c'est pour ça que ça s'appelle les finitions. Bref, du coup, voilà, on va faire étage par étage. On va commencer par le premier étage, on va mettre les fenêtres, le sol, etc. Alors le sol, ça va pas être compliqué, on va utiliser du grès, voilà, du grès, du magnifique. Mon pack de textures est en téléchargement dans la description d'ailleurs pour ceux qui veulent. Et on va tout simplement tapisser le sol de grès. Alors, entre, évidemment, on va laisser ce mur là tranquille et ce qu'il y a devant aussi. L'idée c'est qu'on va venir un bloc à côté, on va mettre 3-4 blocs par devant la maison aussi de grès, et jusqu'à 3 blocs, vous voyez, dépassés de ce mur là. Voilà, comme ça. Ok, et donc toute cette surface là, on va la mettre en grès. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va faire aussi l'intérieur de la maison tant qu'à faire. On va faire une porte à ce niveau là et une porte hop là-bas, vous voyez. Alors pour ceux qui se demandent aussi comment je fais pour cliquer de loin, j'ai juste rajouté un mode qui s'appelle je sais plus comment. Je le mettrai peut-être... alors comment il s'appelle le mode? Voilà, le mode s'appelle More Command, voilà, pour ceux qui veulent. Tout en anglais, hein, M-O-R-E, commande comme une commande, voilà. Et voilà, donc on peut utiliser... Enfin, on peut cliquer de loin grâce à ce mode-là, c'est pratique. Surtout en créatif. Bref, du coup, j'enlève tout le sol ici et je le mets en grès à l'intérieur de la maison, bien évidemment. Hop, c'est fait. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, on va rajouter les vitres quand même, parce qu'on n'y voit rien du tout à l'intérieur. Ici, à ce niveau-là, vous l'aurez compris, c'est une porte d'entrée. Donc, on rajoute des vitres au niveau du dessus de la porte d'entrée. Et ici, on va rajouter... bah des portes, parce que c'est des portes d'entrée. J'aurais jamais dit autant de fois le mot de porte d'entrée en une seule phrase. Donc, ici, on rajoute... des portes d'entrée, et ici, des portes d'entrée.
hop, on reprend, pas des portes d'entrée mais des vitres, et on va sur ce côté là de la maison pour prendre pile le milieu du mur, et on va faire une fenêtre comme ça qui va faire 5 blocs de large. Et puis on enlève la terre au niveau du dessous pour pouvoir faire des vitres quand même, c'est plus pratique. Voilà, donc on met la vitre ici. Voilà, hein. Alors, une fois qu'on a mis cette vitre là, on va sur l'autre côté de la maison ici, on va faire des trucs un peu plus simples. On va faire 5 ou 4, je sais plus, petites vitres comme ça qui sont toutes longues, toutes longilignes, oserais-je dire. Et on va mettre des vitres comme ça. L'idée c'est que ça fait un peu effet architecte, maison d'architecte en quelque sorte. Puisque voilà, enfin, bref, pour la petite histoire, j'avais visité une maison d'architecte qui avait ce type de fenêtre. J'arrive pas à passer, c'est une catastrophe. Hop, voilà, donc on rajoute des vitres dans les trous, et on va aussi rajouter, tant qu'à faire, une petite porte pour pouvoir aller à l'arrière de la maison. Donc ici sur le côté, tu vois, pouf pouf pouf, une petite porte tranquillou, une porte de sortie plutôt, et non pas une porte d'entrée. Ça nous aura manqué. Et donc voilà, donc on va faire le deuxième étage du coup maintenant. Ok. Pour le deuxième étage, on va prendre les vitres toutes bêtes, toutes banales, et on va mettre les vitres de sécurité, les barrières de sécurité que l'on va faire en vitre pour le contour de la maison ici sur toute la longueur. Vous voyez, on fait ça rapidement, et après on va mettre les fenêtres qui vont être un peu comme la partie du dessous, assez longiligne. Vous voyez, comme ça. Sur cette partie là du bâtiment, on va mettre une fenêtre ici, ici et ici. Ok. Hop, 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 très bien. On va faire directement cette partie là. Donc pareil, deux fenêtres ici comme ça, très longues. Hop, 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 de l'autre côté pareil. Alors évidemment ce trou là, bah on le vitre aussi, paf. Et pareil ici de ce côté là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors quand vous cliquez de loin aussi, si vous avez une souris défectueuse qui vous fait plusieurs clics d'un seul coup, eh bien vous pouvez péter des blocs sur le loin en fait, lorsque vous augmentez votre distance pour cliquer. Donc faites gaffe à ça. Bref, ici du coup sur cette façade là, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une vitre dans le creux à ce niveau là. Alors pour ceux qui se demandent, le creux c'est pour mettre l'escalier, hein, tout simplement pour monter sur la dernière terrasse qu'on fera juste après. On fait un trou ici, on met des vitres, parfait. Ici du coup sur toute cette partie là, on va enlever une partie du mur pour en mettre un autre à la place. Donc on va prendre des blocs de quartz et on va compter, on va enlever quelle partie, je sais plus, ok. On va compter deux blocs de distance par rapport en haut qu'on va laisser tel quel, et les 1, 2, 3 blocs à ce niveau là sur 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ok, ici on va les enlever. Donc toute cette partie là du bâtiment, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je remets les trous, ok. Donc on reprend notre quartz et on va mettre des blocs à partir de ces blocs là, ok. Donc deux blocs ici, 1, 2 d'espace, et on remet 3 blocs comme ça, ok. Donc attendez, je vais reprendre ici, on fait un truc comme ça, hein, ok. Donc on prend notre bord du mur, un dans la diagonale, on en met 2 et on en met 3 ici. Pareil de l'autre côté ici, hein. Hop, 2 ici comme ça, et 3 ici comme ça, d'accord. On les monte jusque au niveau du plafond. Alors, j'imagine... Non, c'est bon, c'est ok, c'est juste 3 blocs de hauteur comme ça. Ok, donc par-dessus tout ça, on va mettre un sol, comment dire, en bois, comme ça. Ok, en bois de chêne, on va mettre un sol comme ça. Donc par-dessus les murs qu'on vient de faire ici, hein, hop, ici, sur, comme ça, sur toute la surface. Alors ça passe devant les fenêtres, mais c'est pas grave. Hop. On met ça du coup sur toute la surface et on s'arrête ici. Ok. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va repartir sous notre truc ici. Et à ce niveau-là, vous voyez, donc dans le creux ici, j'ai pas mis de bloc de bois volontairement, puisqu'on va mettre une ligne de blocs de sapin à ce niveau-là, comme ça. Ok. Une fois qu'on... Enfin, on revient à notre partie d'en dessous, et on va rajouter nos vitres, hein, quand même, ce serait plus sympa. Hop, ici, comme ça. Hop, ici, on va faire une ouverture assez grande pour pouvoir aller sur la terrasse. Ok. Et ici, pareil, une vitre. Voilà. L'idée, maintenant, c'est qu'on va utiliser les demi-blocs, les dalles de quartz, hein.
et on va venir faire toute une ligne comme ça de quartz qui va venir comme ça jusqu'à deux blocs par derrière le mur ici, ok, et on va venir entourer complètement notre bâtiment, hop, jusqu'ici, ok. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs épaisseurs? Non, ok, il n'y a qu'une seule couche. Très bien, donc l'idée c'est que maintenant qu'on a ça, on va faire, hop, l'escalier qu'il y a ici. Très bien. Hop, donc on rajoute une ligne de bloc ici. Et on va mettre des escaliers. Paf, 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 ok. Voilà, donc comme ça on peut monter au troisième étage, magnifique. Du coup maintenant, alors je vais faire une ouverture ici aussi. Hop, on va faire un escalier pour pouvoir monter dans cet étage là évidemment. L'idée c'est qu'on va le faire à ce niveau là. Hop, tout simplement. Alors, va falloir utiliser, il y a toujours des trous partout. Alors, va falloir utiliser du coup des escaliers en quartz parce que c'est le matériau du sol tout simplement. Donc voilà, des escaliers en quartz et on va les mettre à partir de où? À partir de là, ça peut être pas mal. Hop, paf, vas-y, pose-toi, voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, évidemment, on met aussi des escaliers sur l'envers, ok. Et puis voilà, magnifique. Hop. Magnifique petit escalier, voyez-vous. Et on arrive ici, très bien. Donc au moins c'est praticable. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une ligne de blocs qui est un peu gênante au niveau visuel. On va l'enlever, on va mettre des demi-blocs. Il faut vraiment que je m'habitue à dire des dalles, hein, parce que c'est le mot du truc. Voilà, on va enlever cette ligne-là, on va mettre juste des dalles à la place, ça fera plus joli. Pareil avec cette ligne de blocs-là, on va l'enlever, on va mettre du bois à la place, ça fait plus joli. Hop, ici aussi. Et ici, est-ce qu'on peut? Oui, on peut aussi, hein, donc on va pas s'embêter. On va mettre du bois partout, tant que c'est plus joli. Alors ici, me semble-t-il, voilà, on est sur l'extérieur, donc on va pas pouvoir en mettre. Ok, donc sinon là, on a plutôt un bel espace. J'imagine bien un bureau ici, vous voyez. Un bureau en face du truc, ça fait un peu arrière de bateau dans l'idée. Ça fait un peu cabine du capitaine, voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination. Alors, est-ce qu'il me reste beaucoup de choses à faire ici? Oui, il me reste les finitions au niveau du toit et au niveau de la machin à ce niveau-là. Alors, on va mettre les transats en chaîne de bois noir, en bois de chaîne noire plutôt, en escalier et en demi-bloc, en dalles. Faut vraiment que je m'habitue à dire des dalles. Hop, donc des trucs comme ça. Voilà, pas besoin d'en faire des trucs de fou non plus, hein, c'est très bien comme ça. Donc là, les dalles de quartz, c'est une table, tout simplement, une table basse, tu vois, à côté des transats. Voilà, c'est sympa, on va pas se mentir, c'est sympa. On va rajouter les petites finitions véritablement de la maison, que sont les finitions habituelles que je mets dans toutes les maisons et qui rend vraiment toujours aussi bien depuis 2 ans que je les utilise, c'est une catastrophe. Enfin, c'est magnifique plutôt, selon l'angle sur lequel tu regardes, enfin voilà. Du coup, voilà, ce sont les panneaux solaires et les feuilles, on va les utiliser en construction moderne, c'est magnifique, c'est tellement facile, ça coûte rien quoi, que c'est tellement pratique. On va mettre du coup des panneaux solaires sur tout un côté de la maison, comme ça, ok. Et on va mettre des feuilles un peu mises de manière un peu n'importe comment, tu vois ici, sans en mettre trop en hauteur. On va en mettre un peu n'importe comment sur ce côté-là de la maison. On va en faire dépasser certaines sur le côté, ici, comme ça. Tu vois, vite fait. Voilà. Voilà. Et puis, on est bon. Et puis, je pense qu'on a fini, hein, la petite maison. Je vais enlever la pancarte parce que finalement, je ne l'ai pas utilisée. Et puis voilà, et puis on est bien, et puis on est bien, c'est une petite maison toute sympa, toute facile à faire, sans prétention. Voilà, je vous laisse apprécier. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos... Alors oui, effectivement, bon, je suis en mode hors ligne, bref, le skin c'est normal. Je vous invite à m'envoyer vos maps de bateaux par mail. Vous avez tous les liens dans la description, toutes les informations, etc. etc. Dites-moi ce que vous pensez de l'autre maison à côté, parce que moi je l'aime bien, mais voilà, c'est... voilà.
Sur ce, bon vent matelot et à la prochaine.